Bonjour les amis, c'est Mitra Pneuma de Nintendo Alert Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour la soluce du sanctuaire de Holotium. Pas sûr de la façon dont il faut prononcer comme toujours. Allez, c'est parti. Donc on voit un réceptacle ici. C'est en prise. Voilà, on sait que ces lasers-là, quand on les touche, normalement ça ouvre, le sol s'ouvre et on tombe. Un golem. On va s'infiltrer ici. On s'accroupit. Un autre golem là. Alors, vous voyez, on peut avec cette tenue, on peut chuter de la plus haute tour du jeu, de la plus haute île, sans prendre de dégâts. Si cette tenue vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder notre soluce sur l'armure chute libre. Voilà, le coffre contient 5 flèches en bois. Là, on évite, on s'accroupit. Ah. Donc là, on va avoir besoin d'une petite clé. Le coffre en dessous. Là, vous faites exprès de toucher pour que ça vous fasse tomber. Et là, on s'infiltre. Et on va ouvrir le coffre avec la petite clé. Donc on va récupérer la sphère. Vous vous placez sur la plateforme qui monte et qui descend. Et on place la sphère dans son réceptacle. Donc ça nous ouvre la grille. On récupère le planeur. On va placer avec la sphère sur les rails. Oh.
Et on atterrit en douceur. On récupère la sphère qu'on va placer dans son réceptacle. Ce qui va ouvrir la grille et mettre fin à ce sanctuaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Moi, je vous dis à très très bientôt. Bye bye les amis!